Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le dernier sermon dans le mois de Ramadan, intitulé « Ramadan est le mois de la bonté pieuse, de l'observation des liens de parenté et de s'exposer aux miséricordes d'Allah ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le vivant ou le cochon ». Mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier le jour, d'accomplir la salat et de quitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand le combat font rage, et voilà les véridiques, et voilà les vrais pieux. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde-lui ton salut, tes bénédictions, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Ramadan est le mois des obéissances, de bienfaits et de miséricorde. Il est le mois de jeûne, de prières surgatoires de nuit, de l'observation des liens de parenté, de l'affection et de la coopération pour la bonté et la piété. Et il s'agit d'un mois au cours duquel le musulman est éprouvé en patience et attente de la rétribution divine ainsi que l'observation des ordres d'Allah, gloire à lui. Le jeûneur se porte la faim et la soif et freine les penchants de l'âme, il supporte la nuisance, tout en se rapprochant d'Allah par le pied des divers actes cultuels, tels l'arrestation du Coran, l'évocation, la prière nocturne, le surrogatoire, le zomone, la réconciliation des adversaires, et de faire tout ce qui est bien dans l'intérêt du pays et des humains. Cela s'inscrit dans la foi parfaite qui on court la miséricorde d'Allah, gloire à lui. Allah exalté soit-il dit, certes la miséricorde d'Allah est si proche des bienfaiteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce bien est des trésors qui ont des clés. Bien soit tout serviteur qui ouvre le bien et bouche le mal et perçoit ce que Allah fait ouvrir le mal et boucher le bien. Le mois de Ramadan est un champ de concurrence dans les œuvres pies, où les serviteurs se concurrencent à se rapprocher d'Allah, gloire à lui, par des bonnes œuvres. C'est ainsi que se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours du mois de Ramadan. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, le messager d'Allah, sa bénédiction sur lui, était le plus généreux. Sa générosité atteignait son sublime au cours du mois de Ramadan. Ô Gabriel, le rencontrait à chaque nuit de Ramadan, lui révisait le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus généreux du bien que les vents envoyés. Ramadan est un champ vaste pour la bienfaisance et surtout de donner la nourriture qui est l'une des caractéristiques de ce mois béni, voire de notre pure religion. Abdullah ibn Salam, qu'Allah l'agrée, dit, lorsque le prophète sallam vint à Médine, les gens y étaient déjà affamés et j'en faisais partie. Lorsque je vis son visage, je sus qu'il n'était point menteur et je l'entendais dire, ô gens, nourrissez le besogneux, protégez, propagez le salut, observez les biens, les liens de parenté et faites des prières surgatoires la nuit. Ainsi, vous entrerez au paradis en toute sécurité. Le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam renferme quatre choses, trois concernant les relations interhumaines dans la donation de nourriture, la propagation du salut et l'observation des liens de parenté, alors que la quatrième concerne les rapports entre le serviteur et son seigneur, à savoir les prières surrogatoires nocturnes. Un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam quel acte de l'islam est le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, tu dois donner à nourrir et saluer ceux que tu connais et où tu ne connais pas. Donc il ne faut pas sous-estimer un acte pieux, minime soit-il, car il ne sait point lequel de ces actes sera agréé par Allah, gloire à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
ne sous-estime aucun acte pieux, même si tu donnes un morceau de corde, un lacet de chameau, deux versets de ton seau dans la coupe d'un abreuveur, d'écarter un objet nuisible de la route, de rencontrer ton frère d'un visage souriant, de saluer ton frère, de soulager un étranger. Tu pourrais même, si quelqu'un t'insulte d'un défaut que tu sais que tu l'as effectivement, et tu sais aussi que l'insulteur a le même défaut, mais tu t'empêches de l'insulter, ainsi tu honoreras la récompense et il honorera le châtiment. Fais ce que tes oreilles aiment entendre et évite ce qu'elles détestent d'entendre, d'écouter. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit également: chaque musulman doit faire une aumône. On lui dit s'il ne le trouve pas, il dit qu'il travaille de sa propre main pour se servir et faire des aumônes. En repris, et s'il ne le peut pas, le prophète de répondre qu'il assiste le besogneux. Et s'il n'arrive pas à le faire, demande-t-on. Le prophète sallam de dire, de répliquer, qu'il ordonne le bien ou la justice. En demandant s'il ne peut pas le faire, le prophète sallam de dire qu'il évite le mal, cela lui est une aumône. Nous affirmons que la bonté pieuse est un terme qui renferme tous les actes du bien qui satisfont à Allah, gloire à lui. Cela se trouve dans le titre de la bonne moralité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la bonne moralité et la bonté pieuse et la bonne moralité, la sincérité et la gratitude vis-à-vis de bienfaits est une bonne moralité restreinte au noble. Bien soit celui qui dit: pour le noble, la reconnaissance est une obligation, l'ingratitude est celle des méchants. Le noble est intègre vis-à-vis de ses compagnons et l'ingrat est loin de l'équité. En outre dit, lorsque le noble trouve de l'aisance, se rappelle de ce qui était avec eux en indigence. Parmi les plus grandes formes de la bonté pieuse est l'observation du lien de parenté, le bon voisinage et le bon entretien vis-à-vis de tous les humains. Cela réalise la solidarité, la tolérance et l'interclémence. C'est Ramadan et le mois de l'observation de lien de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré l'importance de cette observation. Ce dans ce hadith divin rapporté par lui d'après Allah, gloire à lui. J'y suis Allah, le tout miséricordieux. J'ai créé le lien de parenté et lui dériva une nomination de mon homme, mon nom. Quoi qu'il observe, je lui accorde ma grâce. Quiconque l'auront, je lui prive de ma miséricorde. Récitez, si vous voulez, le verset coranique. Si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit, rendu sourd et a rendu leurs yeux aveugles. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il de cadenas sur leur cœur? C'est-à-dire, أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les œuvres se s'opposent chaque nuit, chaque lundi et chaque jeudi. Au cours de ces deux jours, Allah pardonne à toute personne qui ne lui associe rien, sauf à quiconque a une animosité avec son frère. On dit: laissez ces deux personnes jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de l'observation du lien de parenté l'un des piliers de la foi auquel il appela lors du dépôt de son messager. D'après Amr ibn Abasa, qu'Allah l'agrée, au début de la mission prophétique, j'entrais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'interrogeais: qui es-tu? Il me répondit: je suis le prophète d'Allah. Je redis: c'est quoi le prophète d'Allah? Il me dit: le messager d'Allah. Je lui dis: c'est Allah qui t'a envoyé? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui redemandai: avec quoi t'envoya-t-il? Il me répondit:
d'adorer Allah sans lui rien associer, de briser les idoles, d'observer les liens de parenté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit l'un des signes de foi en disant quiconque croit en Allah au jour dernier qu'il observe ses liens de parenté. Puis il récita cependant ceux que sont liés par la parenté en priorité les uns envers les autres et d'après le livre d'Allah, certes Allah est omniscient. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. L'autre forme de l'observation est celle de rendre bonté à tout ce qui est d'alentour. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Il n'est permis à aucun homme de rompre avec son frère plus de 3 jours, ils se croisent les deux et chacun se détourne de l'autre. Le meilleur d'entre eux est celui qui commence par saluer l'autre. Cela ne signifie seulement de lui saluer en le croisant sur la route, mais la paix dans le sens plein de mots, une véritable paix, non seulement verbale, d'un cœur détestant. Il s'agit plutôt d'une paix intérieure avec l'ami, le proche parent, le voisin, le collègue, l'homme, l'animal, l'inanimé, l'univers entier. Allah, gloire à lui, dit « Oh, le croyant entré en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Disant cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ceux que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, la sagesse divine exigea de faire des 10 derniers jours de mois de Ramadan une opportunité aux bienfaiteurs pour accroître les bonnes actions et au moins obéissant pour rattraper ce qu'il a raté. Ce sont des jours pleins de bienfaits et donation divine qu'Allah gratifie à ses serviteurs. Tout musulman doit s'exposer aux miséricordes d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah a des 6 ans de miséricorde dans votre vie, exposez-vous à elle. Puisse l'un de vous s'en serve, ainsi il ne sera point privé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui consacre les 10 derniers jours du mois de Ramadan d'un surplus du culte obéissance et d'un rapprochement d'Allah, gloire à lui. Parmi les choses à bien observer au cours des 10 derniers jours du mois de Ramadan est d'éveiller leur nuit par les prières surrogatoires pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait plus de bien dans ce jour que dans le reste de l'année. D'après Aïcha, qu'Allah l'agré, lorsque arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam soulacer sa ceinture, c'est-à-dire rompre totalement avec le rapport charnel, veiller la nuit et réveiller sa famille. Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mêlait au cours des premiers 20 jours de Ramadan entre sommeil et prière. Alors que pour les 10 derniers jours du mois de Ramadan, lorsqu'il arrivait, il soulacer la ceinture. Allah, gloire à lui, gratifia aux 10 derniers jours de Ramadan une nuit qui est la meilleure et la plus gracieuse, en l'occurrence la nuit prestigieuse, Laylatul Qadr, sauf pour honorer la communauté de son favori Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'après Mujahid, qu'Allah l'agré, le prophète sallam cita le récit d'un homme des descendants d'Israël qui portait l'arme dans le sentier d'Allah pour 1000 mois. Les musulmans sont étonnés. Ainsi, Allah, gloire à lui, révéla, nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que Gabriel, l'Esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. Le culte sincère au cours de cette nuit dépasse le combat dans le sentier d'Allah pour 1000 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que veiller cette nuit en culte conduit à l'absolution de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque veille en culte la nuit prestigieuse, par foi et attente l'attribution divine, aura pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Ainsi, le musulman doit se soucier de veiller cette nuit pour se rapprocher d'Allah, gloire à lui, en espérant son indulgence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseilla de chercher cette nuit au cours des nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan en raison de la grâce divine abondante qui s'y trouve. Il dit chercher la nuit prestigieuse au cours de nuit impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Parmi les œuvres épies durant ces 10 jours, il y a l'aumône prescrite de rupture de jeûne qui est une purification pour le jeûneur et une nourriture pour l'indigent. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prescrit l'aumône prescrite de rupture de jeûne pour purifier le jeûneur de propos futiles et indécents et comme nourriture aux indigents. Quiconque la verse avant la prière de Petit Bayram, elle est donc une zakat agréée. Quiconque l'a fait après, c'est donc une simple charité. On y ajoute de se forcer en invoquant Allah. Si l'invocation pendant le mois de Ramadan est plus agréée, elle est davantage au cours de ces derniers jours. D'après Aïcha, je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dois-je dire si je saurais qui s'y est bien la nuit prestigieuse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre dit: « Oh Allah, tu es indulgent et tu aimes l'indulgence, pardonne-nous. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. » Il faut se soucier de bien exploiter ces jours bénis et la nuit prestigieuse avec l'invocation, la récitation du Coran et tout ce qui nous rapproche d'Allah, gloire à lui, pour éviter d'être privé des miséricordes divines. La privation dans cette nuit est la vraie privation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la nuit prestigieuse vaut mieux que 1000 mois. Quiconque est privé de son bien est le vrai privé. Oh Allah, tu es indulgent et tu aimes l'indulgence, pardonne-nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Traduit et présenté par Dr. Kamal Gadal.